Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le collège Marcelin Berthelot en classe de 5e J. Tout d'abord, nous avons choisi le livre Le Journal d'Adèle, car nous allons faire plusieurs petits, on va dire, des exercices. Donc déjà, on va commencer par Le Journal d'Adèle, c'est. Le Journal d'Adèle, c'est la guerre, la peur de perdre ses parents ou sa famille. Le journal d'Adèle, c'est le désespoir. Le journal d'Adèle, c'est les tranchées. Le journal d'Adèle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit. Le journal d'Adèle, c'est l'aventure et la tristesse. Le journal d'Adèle, c'est le travail des gens dans les champs pendant la guerre. Le journal d'Adèle, c'est l'angoisse de l'attente. Le journal d'Adèle, c'est les tranchées. Ah, calme. Arrête là. Le journal d'Adèle, c'est des rencontres. Maintenant, nous allons vous dire pourquoi on a aimé le journal d'Adèle. Pourquoi on a aimé. Alors moi, j'ai aimé le journal d'Adèle car il y a beaucoup d'aventures et ça parle de la guerre. Et j'aime bien les récits qui parlent de la guerre. Et ça m'a fait penser au journal d'Anne Frank, parce que c'est une fille qui a traversé la guerre. Et ça m'a touché. J'ai aimé le journal d'Adèle, car ça parle d'une jeune fille forte qui a dû traverser des épreuves difficiles tout au long de cette guerre. Pendant 4 années, elle a dû faire beaucoup de deuil. J'ai aimé le journal d'Adèle parce que c'est le témoignage rare d'une jeune fille qui a notre âge et qui va devoir grandir avec la guerre en s'aidant de son courage. J'ai aimé le journal d'Adèle car on dirait que c'est une histoire vraie alors que tout a été inventé et aussi car on dirait le journal d'Anne Frank parce qu'elle parle à son journal. Mon livre préféré, ça a été le journal d'Adèle, car j'aime bien les livres qui sont réalistes et ça m'a appris des choses, par exemple la vie des soldats et des gens qui vivent dans les champs pendant la guerre. Et j'ai aussi bien aimé l'interprétation parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était une jeune fille qui parlait. J'ai bien aimé le journal d'Adèle car c'est une histoire inventée. C'est triste parce que du coup, bah, Adèle, je comprends qu'elle a dû souffrir parce que ses proches, du coup, bah, ils sont morts. Donc je comprends que ça l'a fait. Voilà. J'ai bien aimé le journal d'Adèle parce que quand j'étais en CM2, mon professeur de CM2 m'a tellement bien appris la Première Guerre mondiale que ça m'a aidé à mieux accrocher au livre audio. Alors maintenant, on va vous lire un extrait.